7, let's go! Salut les filles et garçons, on se retrouve aujourd'hui pour la première séance de cette troisième semaine du BS7. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va commencer par une séance que vous adorez tout particulièrement. Vous me les réclamez à chaque fois, mais vraiment de manière ultra nombreuse. Ça va vous plaire. Roulement de tambour, Tini, quelle est la séance du jour, Tini, à la régie? Déjà, je vais dire bonjour aux filles de Jean. Ah, il fait le même poli aujourd'hui, ça y est. Oui, parce qu'à chaque fois, je me fais engueuler, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va partir sur un hit ventre plat et bas du ventre. Yes, je sais que vous adorez travailler vos abdos et particulièrement la zone avec le petit gras récalcitrant sur le nombril, on le connaît. Aujourd'hui, on va le pulvériser avec un travail qui va être complet. On commence comme d'habitude avec un petit échauffement. On enchaîne avec un hit qui va venir taper sur les abdos en même temps que le cardio. Et on terminera évidemment par un petit circuit de renfort abs, le meilleur pour la fin. Comme ça, vous êtes obligé de rester jusqu'au bout avec nous. Vous n'avez pas le choix et on va commencer de suite. Tigné la régie, t'es ready? Allez, on démarre pour un échauffement, montée de genoux sans saut. Ok, donc là, on échauffe comme d'habitude. On inspire, on souffle, on active ses abs à chaque montée de genoux. On inspire, on souffle. Aujourd'hui, le soleil est un peu plus discret. Vous avez vu sur la Côte d'Azur, il fait son timide. Il fait un peu plus frais, mais on va se réchauffer. Ça tombe bien parce que la séance, elle est corsée, vous allez voir. Tini me disait avant qu'on commence, t'es sûr quand même parce que tu t'es chauffé là. Ça fait quand même beaucoup d'abdos. Allez, flexion. Ok, flexion. Allez. Fesses en arrière, on active, on y va de manière dynamique. C'est un échauffement, hein, donc faut s'engager. On inspire, on souffle à la remontée. Toujours dos gainé et droit, abs serrés. On inspire, on souffle. Yes. Allez, on inspire. Allez, on va enchaîner, okay. on rajoute des petites montées de genoux avec ces flexions. Pardon, j'ai rien entendu. Montée de genoux avec les flexions. Ok, on rajoute une petite montée de genoux à chaque rep. Alors Tini, va falloir avoir la voix qui porte aujourd'hui. Ouais, mais on après, a des vagues dans le dos. Je vais éviter de crever les tympans des filles de Jean quand même. Oui, parce que toi, ils t'entendront mieux que moi. Et ton près de la caméra. Allez, ça commence déjà à chauffer, c'est bon signe. Yes! Allez, c'est que le début. À l'échauffement, vous avez vu l'actif. Hein. Allez, on enchaîne sur des squats statiques. Ok, on reste en bas. Bam! Quelle transition! Et je commence à être la queen des transitions maintenant. Hein. Il y en a qui font des transitions sur TikTok. Nous, on fait des transitions dans le BS. Tout va bien. Allez, on tient. Dos droit. On inspire. On souffle. Yes! Allez! Wouh! Là, ça commence à chauffer, mais on lâche rien, on y va au mental. Yeah. Allez, on enchaîne, bear plank. Ok, on remonte, on détend, on descend. Pour ça y est, commencer à activer ses abdos. Donc là, en gros, on se met sur les genoux, sauf que les genoux ne touchent pas le sol. Vous allez voir, c'est de suite beaucoup moins confortable. Dos droit, on repousse, toujours pareil sur ses épaules. On engage sa sangle abdominale. On est strong. Allez. On s'accroche. Ouh, ça chauffe. Et dans ça 5 chauffe. Secondes, on rajoute, on allonge les jambes. Ok. On allonge une jambe et on revient. On allonge l'autre. Ok. On respire. On souffle. Ça permet de relâcher un peu une jambe. Yeah. Allez, on s'accroche. On s'accroche, bientôt la fin. Plus que 5 secondes. Yes. 4, 3, 2, 1, break. Ok, on remonte. Aujourd'hui, je ne vous ai pas précisé le matériel. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Si vous posiez encore la question. Allez, quel est le prochain exotini? Eh bien, on part pour le circuit hit ventre plat du coup. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On va ça. Démarrer par une course sur place. Ok, petit coup d'eau. On se met en place, on va attaquer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors là, c'est la course engagée, tu vois, c'est pas genre mou du genou, c'est pas au début, t'es comme ça, non. Là, t'y vas, petit trottinement, tu peux même la faire en mode sprint si t'es chaud. Allez, on inspire bien au souffle. Allez,
On fait vraiment monter la température. Moi, je le sens, ça va beaucoup mieux par rapport au début. Dans 3 secondes, on descend, gainage, face sur les coudes. C'est là que ça commence à se compliquer. Let's go. Face sur les coudes, vous avez entendu. On se positionne. Quand on est bien positionné, on lève ses genoux. Vous voyez. Donc là, toujours pareil. On commence à connaître maintenant la 3e semaine. On se repousse. On a les jambes bien engagées. On n'est pas en mode comme ça. Vraiment, tout le corps, des orteils jusqu'au bout de vos doigts, doit être strong. On aspire son nombril. On rétroverse le bassin. Je vous montre. Allez, on remonte. Montée de genoux. Ok. Sumo. Allez, on y va. Alors, celui-là, je vous dis la vérité. Je l'aime moyennement, mais on le fait quand même. Montée de genoux, les genoux ouverts vers l'extérieur. Là, t'as l'air, tu sais, genre, j'ai l'impression qu'on fait les danses russes. Eh oui, c'est un peu ça, c'est non ça. C'est exactement. Je suis pas spécialiste, hein, mais. Et après, ils descendent. Et après quoi? Ils s'accomplissent. Ah, ils font des trucs en bas. Alors, Tini me fait une démonstration. Apparemment, on fait des trucs comme ça, en vrai. S'il y a des spécialistes de la danse, dites-le nous. Allez, gainage face spider. Ok, gainage face sur les mains cette fois-ci. Spider. On peut croiser si on veut aussi. Petite variante fun. Allez. On respire. On souffle. Hey, je sens que ce cours ce soir, il va être chaud patate. Ouh, j'ai déjà chaud. Allez. Yes. Allez, on remonte. Jump squat, remont. Ok. Jump squat, remont. Let's go. Petit rebond et jump. Allez. Rebond. Yes. Là, on s'est reposé ce week-end. On a pas mal aux jambes normalement. Donc on y va, on est frais. Allez. Rebond. Tu jumps. Tout est engagé. Arms, dos, legs, booty. Wouh. Allez, on descend. Relâche. Gainage de face avec oscillation vers l'avant. Ça va être dur. Alors, on se positionne sur ses coudes. On tend les jambes. Ça fait longtemps qu'on l'a plus fait celui-là. Oscillation vers l'avant grâce aux chevilles. On inspire et on souffle. Et là, tu aspires vraiment ton nombril. Tes épaules doivent être très solides. On ne s'affaisse pas au niveau du buste. On ne fait pas ça. Vous voyez, bam. En fait, allez, là, burpees sans saut. Pardon? Burpees sans saut. Ok, on remonte. Pose son genou. Burpees sans saut, vous le connaissez. On y va, c'est parti. Ok, on descend. On allonge les jambes, on revient en squat et on remonte. Ok, on engage le corps, on essaie de garder le dos le plus droit possible, même si c'est normal qu'il s'arrondisse un petit peu. Allez, on reste en bas, bear plank. Ok. Touch genou. Alors, ça va être dur. Vous connaissez. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de stabiliser au maximum le corps pendant le mouvement. Vous voyez. Yes. Il n'est pas facile celui-là. Allez. Ouh. Il est dur, hein. Si je ne reviens pas par terre, j'ai du mal. On est concentré. Allez, on remonte jumping jacks. Ok. Et là, ça va piquer. Mais on est ready. On y va, let's go. Allez. Yes. On inspire. On souffle. À la remontée. Allez, on tient le coup. Ça brûle. Ça chauffe, ça chauffe. Dans les brassières. On lâche rien. Allez, on redescend. Waouh. Gainage côté gauche, plus élévation. Ah, ça, on aime bien ça. Gainage côté gauche. Élévation. On y va. On rajoute. Non, là, c'est oscillation. C'est. Oui, petite oscillation. Mais là, moi, c'était élévation de jambes que je demandais. Ah, t'as pas précisé. Ben si, j'ai dit élévation. C'est pas grave. T'as pas dit de jambes. Oui, ben, ça s'appelle oscillation dans ton, okay, dans ton lexique. Tini à la régie prend un peu trop la confiance. Si même toi, tu respectes pas ton propre lexique. Les filles de jambes, vous le croyez que je me fais engueuler par la régie quand même? Squat plus kicks. Ok. On fera plus tard, c'est pas grave. Squat et kick alterné. On inspire et bam, on envoie. Allez, on reste actif.
On peut augmenter le rythme. Let's go. T'inspires, tu souffles. Allez, on redescend maintenant côté droit, bah du coup oscillation. Ah bah oui. C'est mieux. Allez, à droite, petite oscillation. C'est pas grave. Travailler les obliques, on a toujours besoin de travailler les obliques. Mais oui, non, il y a. Et je pense que les filles de genre vont être bien contents qu'on ait choisi finalement oscillation. Allez. On repousse son bassin vers le haut. Vous connaissez la chanson. Là-haut, bam. Allez, on remonte pour des twists. Ok. Petit twist. On aime bien celui-là. On se remonte, on est en place. On y va. On inspire, on souffle. On serre vraiment, ça sangle là-dessus. Vous devez avoir l'impression d'essorer votre serpillère. Et votre serpillère, c'est votre sangle abdominale. Allez. Yes. Allez, on arrête. Russian twist. Ouh. Là, ça se complique. On s'assoit sur les fesses. On peut commencer les genoux, les pieds, pardon, au sol. On twist. Et si vraiment on est on fire et qu'on veut corser son training, bam, on lève les pieds et on enchaîne. Dynamique. On n'est pas là pour enfiler des perles. Vous le savez. Allez. Yes. Ok. Et on remonte, twist. Wouh. On est reparti. La taille est serrée et on y va. Allez, on twist. Là, on n'est pas en mode chamallow, hein. Non. Allez, let's go. On lâche rien. On inspire bien, on souffle. On redescend. Yes. Côté droit. Bah, du coup, tu fais une élévation cette fois-ci. Ah bah, cette fois-ci, les filles de genre, on va pas y couper. On se met à droite, on se positionne. Et élévation de jambes. Quand faut y aller, faut y aller. Allez. Ouh. On inspire. On souffle. On est solide si c'est trop dur. Toujours l'option. Vous connaissez. Genou au sol. Mais vraiment, on engage son corps. Squat plus au kicks. Maximum. Allez, on se relève. Vous avez entendu la régie. On y va. Squat et kick. Là, c'est pareil. On envoie. Boum. On est gainé. Le dos se balade pas. Il reste droit. Allez. Et bam. Et kick. On redescend côté dernier. Gauche du coup. Let's go. Côté gauche évidemment, on boira après. S'il y en a qui commencent à avoir soif, vous inquiétez pas. Petite élévation de jambes. C'est parti. Allez. On peut tendre son bras. On est en mode lac des signes encore ce soir, gracieux. Allez. Yes. On aspire le nombril, il reste 3 secondes. 2, 1, dernier. On remonte, jumping jacks. Oh, celui-là, il va faire mal. Et cette fois-ci, il fait une variante avec les épaules qui montent. Oh, punaise. Ça va être dur. Jumping jacks. Non, ça, c'est jump squat, ça. Ah, pardon. Oh, jumping jacks, j'y étais pas. Jumping, et on a... C'était écrit jumping jacks, ça? Oui, c'est jumping jacks. Oh, j'ai déjà oublié. Oh là là, les filles de genre. Plus les années passent, plus c'est dur de se rappeler les trainings, je vous jure. Allez. On respire, on souffle. Bear plank, touche genou. Ok, on redescend au sol. Bear plank. Touche genou, vous avez compris. Bam. Vous voyez, on fait pas ça. On reste vraiment statique. Bassin fixé. On regarde entre ses deux mains, ça aide. Allez. Yes. On tient. Allez, on va rajouter maintenant burpee avec saut. Okay. C'est parti. Allez, on est ready, 30 secondes. On fire. On gratte pas. Burpee et saut. Let's go. Wouh. On tient. Yes. Ok.
Il est dur celui-là. Hein. Yes. Allez, on reste en bas. Wow. Et lâche face. Oh avec my oscillation God. Vers l'avant. On se met sur les coudes. Oscillation vers l'avant. Comme ceci. On aspire le nombril. Waouh. C'est dur, c'est dur. On lâche rien. C'est au mental. On est strong, on y va. On donne tout jusqu'au bout. Ce hit, il va brûler des calories. Laisse tomber. Waouh. Allez, et c'est comme ça qu'on progresse. Allez, squat, rebond, jump. Ok, on passe les genoux. Il va faire du bien celui-là. Tu sais, au début de la séance, tu me détestes et après, je te dis que c'est la recreation en fait. Rebond, jump. Let's go. Allez, petit rebond, petit jump. Light, on y va. On n'est pas en mode hippopotame, surtout si on a des voisins en dessous. Ouh. Allez. On souffle à la remontée. Allez, 3, 2, 1. Gainage face spider. Waouh. Gainage face spider, on y va. On se positionne. Allez, on s'accroche, on est bientôt à la fin de ce circuit. Ah ouais. Il est dur à tigner. Hein. Ah oui, oui, il a l'air. On sent que ça s'intensifie semaine après semaine. Attendez, là on a fait plus de la moitié des Fidjans. C'est normal, on progresse tous ensemble. Ça se corse, mais on s'accroche. Allez. Ouh. On remonte pour des montées de genoux sumo. Yes, dernier. Montée de genoux sumo. Let's go. Vous vous souvenez, montée de genoux, pieds, genoux écartés. Ok. Comment ça s'appelle, Tini, cette danse? Ça me turlupine. Alors là, on va demander à nos amis russes de se manifester en commentaire. Si vous êtes là, dites-le nous. Je vais passer une heure sur Google ce soir, sinon pour savoir. Allez, 3, 2, 1. Gainage face sur les coudes. Ready. On enchaîne, c'est la fin, c'est pas le moment de gratter. On se positionne. Ok. Allez. Bassin rétroversé, pas trop haut. On est vraiment en mode planche. On a le bassin entre les épaules et les chevilles. Allez. On inspire. Allez, on remonte sous. Pour une petite course sur place. Ok. On termine light avec la course sur place. Engagez toujours. Allez. On inspire au souffle. Yeah. On termine là-dessus, on donne tout. Allez, on tient. Petit mouchoir pour moi. Vous avez vu là, la cachette. Et c'est fini. Et terminé. On prend 30 secondes de pause, on s'hydrate. Petite hydratation. Petite hydratation. 30 avant secondes. D'enchaîner sur le prochain circuit. Ça fait du bien. On a tout donné, franchement. Préparez-vous. Il était hardcore, ce petit cardio. On s'assoit sur son tapis, on se prépare. Plus que 5 secondes. Allez, parce qu'on s'assoit. Va enchaîner sur le Bikini Challenge. Woo! 60 secondes, gainage, jambes pliées ou tendues. C'est parti. Ok, 60 secondes, gainage, comment? V. Ok. On est en position. Donc alors, ici, ça sera plutôt une W. Si vous avez la souplesse et la force qui vous le permet, n'hésitez pas à tendre les jambes, moi c'est un petit peu compliqué. L'objectif c'est de garder le dos droit évidemment. Si vous êtes en W, c'est très bien comme moi. On tient pendant 60 secondes, équilibre, tout. On donne ce qu'on a, sangle serré, dos droit au maximum. On serre les omoplates, on commence à sentir les quads qui chauffent. 60 secondes, ça passe vite. N'oubliez pas de faire votre selfie Bikini Challenge grâce à notre filtre disponible sur Train Sweat Hit. Je vous le partage juste après la séance sur Instagram. Et vous pouvez checker si vous avez réussi ce challenge. Mais je suis sûre que oui, c'est trop dur. Posez un pied, comme ça quelques secondes et vous repartez. On tient jusqu'au bout. Allez, allez, encore 10 secondes. Yes. Let's go. Allez, okay. 3, 2, 1. Yes. Woo! Bravo les Fidjans. Je suis sûre que vous avez tenu jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous partager vos résultats. Et on enchaîne sur la suite, on reste au sol. On reste au sol. Si vous n'êtes pas relevé, vous avez bien fait. On reste au sol et dans 10 secondes, on va enchaîner sur le dernier circuit. Bas du ventre. Le meilleur,
commence assis ou allongé, Tini? On commence allongé. Ok, on s'allonge. Ça, vous allez kiffer. On va travailler vraiment le bas de sa ceinture abdominale. Chaise renversée. Ok, on lève les jambes, on plie les genoux, on descend et on remonte. Toujours le dos plaqué, comme vous voyez. Et l'objectif, c'est vraiment de gainer et de ne pas avoir le tronc qui fait ça. Ça, c'est très mauvais. On reste plaqué, on descend et on remonte. Si c'est trop dur, on descend moins bas. Dès qu'on sent que son dos se décolle, on s'arrête. Ouh, on respire, on souffle. Yes. On enchaîne, levée de jambes tendues. Ok, là c'est pareil. On met ses mains le long de son corps. On tend les jambes, on descend, on contrôle et on remonte. On décolle pas le dos. On essaye, on évite de mettre la main parce que là forcément, ça facilite tout et on engage moins. Plutôt, on descend moins bas, mais on retient la descente. Bam, on remonte. On peut tendre ou plier légèrement ses jambes. C'est pas grave, ça dépend de votre souplesse. Vous voyez, elles sont pas parfaitement tendues, c'est pas gravissime. On inspire, je peux vous dire que ça travaille. Hein. Allez, on repart sur un gainage V. Ok. Celui-là, vous le connaissez. On se remet sur les fesses. Let's go. VW au choix. Ouh. Celui-là, il pique. Je suis sûre que vous allez adorer ce circuit. Ah, quand c'est dur, on pose. On inspire, on détend un peu ses cuisses. Et on repart. Dans 5 secondes, on enchaîne sur un ciseau en bas. Ok, on allonge ses jambes. Let's on go. S'allonge sur le dos et là, c'est pareil. L'idée, c'est vraiment de plaquer son dos au sol. Petit ciseau. On inspire, on souffle. Yes, on tient. Et ça, c'est dur. Si c'est trop dur, on peut évidemment remonter les jambes. Puis vous allez plus activer vos adducteurs. C'est pas ce qu'on recherche. Ouh, quand c'est dur, on pose. Et on repart. Plutôt que de mettre les mains sous les fesses une fois de plus, ça on peut le faire pendant 5 minutes. C'est pas ce qu'on recherche. Levé de buste. Ok. On allonge ses jambes. On étend ses bras au-dessus de sa tête. Et on va chercher vers le ciel. On s'allonge en déroulant la colonne vertébrale. On souffle à la remontée. Yes. Ok. On déroule. On souffle. Colonne droite. Ok. Levée de jambe, chandelle. Petite, okay. Petite chandelle. Ça va être dur ça. On s'allonge à nouveau sur le dos. Et là, le but c'est de lever ses fesses du tapis. C'est parti. Ouh. Allez. On contrôle le mouvement surtout. On souffle à chaque fois. Petite amplitude, ça suffit. On n'est pas là pour faire ça. Hein. Non, et non. On s'accroche, c'est bientôt la fin. On inspire. Plus que quelques minutes. Yes. Ok, Tini, on est là, on donne tout. On donne tout, allez, on repart maintenant sur une chaise renversée. Ok, chaise renversée, pareil. On enchaîne, là on garde vraiment la tension dans les abs. Allez, c'est vraiment les 3 dernières minutes. Ok, vous avez entendu le chef à la régie, plus que 3 minutes. Ça chauffe. J'ai les abs on fire. Je sens que cette semaine, les Fidjans, ils pourront pas rigoler. Ah ouais. À chaque fois qu'ils vont rigoler. Ils vont avoir mal aux abdos. Yes. Allez. Allez, levée de jambes tendues, let's go. Oh my god. Wouh. On allonge les jambes, on est reparti. On met pas ses mains sous ses fesses, autant que possible. On inspire, on retient, bam, on lève. Yes. On inspire, on souffle. Ou on souffre, au choix, ou les deux. Ah, allez. On garde le dos plaqué. Si c'est dur, on pose. Une, deux, trois, et on repart. Yes, allez, jusqu'au bout, on tient. Allez, gainage V. Ok, on se relève. Et je suis en train de faire une flaque sur le tapis, les Fidjans. C'est l'océan qui est en train d'arriver. Enfin, là, c'est plutôt la mer Méditerranée aujourd'hui. Mais vous comprenez. La mer Méditerranée est en train d'arriver sur le tapis. Ouh, c'est dur, si c'est trop dur. Pareil, on pose ses pieds et on repart. Eh, c'est intense. Hein. Je me suis un peu chauffée sur ce training, hein. on va dire la vérité. J'étais prévenu. Hein. C'était pas faute que tu ne nous l'aies pas dit. Allez, ciseaux. Ouh. Allez, on s'accroche jusqu'au bout, c'est ça qu'on veut. Travailler ses abs. On y va. Let's go. On inspire, on souffle. Quand c'est trop dur, on remonte. Quand on se challenge, on descend en bas. Let's go.
Et on s'accroche, plus qu'une minute. Levé de buste. Oh my god, ok, levé de buste, pardon. On y va, on rallonge les jambes. On inspire. On souffle. On inspire et on remonte. Allez, let's go. On déroule. Let's go. Allez, on enchaîne. Levez de jambes, petite chandelle. C'est les 30 dernières secondes. Ok, dernier exercice. Allez, allez, allez. Dit, on donne tout. On y va, on est ready. Let's go. On retient. Petit move, mais ultra difficile. On inspire. Allez, on s'accroche. Combien Tini, donne-nous le chrono. Il reste 10 secondes. Ok, on donne tout. Allez. Quand il reste 5, tu nous le dis. 5. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh, bravo les Fidjans. Waouh, ce fut intense. Mais on a tout donné. On reste on fire jusqu'au bout de ce bikini avec Sissi. Troisième semaine qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Vous allez avoir mal aux abdos, je pense, pendant 3 jours. Ça tombe bien, moi aussi, et on aime ça. On se retrouve mercredi pour la prochaine session. Et la régie me dit que vous allez la kiffer. Je vous retrouve sur Instagram aussi. N'oubliez pas de partager vos selfies de bikini avec Sissi. Et je vous fais plein de gros bisous. Bonne récupération, bonne douche. Ciao !